Wakalimashita, aïe. Oui, je parle super bien japonais. C'est un talent que j'ai développé grâce à mon... grâce à cette pub pour augmenter mon pénis. Alors, ça, c'est good. Un petit dodo, et puis on est bon. Et ben, on va aller voir ce qui se passe sous ce dôme. Bah sinon après qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah je me suis un petit peu remis beaucoup à Final Fantasy XIV. D'ailleurs, connaissez-vous Final Fantasy XIV? Tiens, prends ce que tu veux. Oh, la joie du travail bien fait. Je vais les briser pour vous aussi vite que je pourrai. Tiens. Ah, il fait des cols miracles avec des seringues vides. Quoi? 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 Mais, ma, qu'est-ce qui se passe? Ma, j'y comprends pas tout. Tu donnes des plats et puis Vous finalement, voulez il les fout faire par péter un terre. plomb? Plus tard. Oh. Ok. Bonjour. Bonjour. Puis-je vous être utile, monsieur? J'aimerais acheter quelques trucs. Est-ce que tu as des balles? Mais oui, il a des balles. Mais ça, c'est bien. Et c'est ça qui est beau. Alors, j'ai pas de place. Ça sous-entend que je dois soit avoir des trucs ultra lourds de partout. Soit. Soit. Alors, déjà, ça, c'est radiation. Et l'autre, c'est pour la poison. J'ai toujours pas d'armure, en fait. Fuck. Bon, ça me sert à rien. Quand il y a des sciences, blablabla, ça c'est des bouquins. Ça prend pas de poids. Le Nuka-Cola, ça me prend un peu. Allez, pignon, ça prend pas de place. Ça, par contre, oui. Poudre de guérison, ça vaut le coup. C'est pas mal parce que ça te permet de te soigner. Pareil pour la pâte rouge épaisse aussi. Le radix, ça c'est bien. Soluté vert, ça c'est. Ça me prend beaucoup de place, fuck. Ok. Vraie histoire de police, non. Le pétard, ouais. Sang de Crocs, ouais, la seringue vide. C'est utile plus tard, vert agnole, non. Parce que je me dis en fait que je dois avoir énormément de trucs qui font que je me retrouve à. Eh ben, être lourd comme un cul. Est-ce que tu aurais, je sais pas, peut-être des armures? Casque assisté? Non, ça c'est moi qui ai dû te le vendre, frère. Ah ouais, t'essaies de me baiser comme ça, le jeu? Ah ouais? Ah ouais, t'es comme ça. Salaud! Salaud! Allez, boop. Boop. Alors, si je fais ça, tu m'envoies vers où, mon toupoulitou? Ouais, tu m'envoies là-bas, ouais, bah. Eh bah, allons-y. 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 Alors, normalement, j'ai tout ce qu'il me faut pour pouvoir. Bonsoir. Du duel. Oh! Ok. Aïe. Bon, bonsoir. Tu peux juste. Tais-toi, jeune bougre. Alors, très bien. Quelle belle entrée. Il y avait des mobs devant. Et je leur ai dit littéralement fermez vos gueules, quoi. Alors. Générateur de secours. Oui. Oui. Ok, ça marche. Hop là. J'ai tout cassé. Bah, c'est bien que j'ai pris en fait cette armure, enfin ce truc de vision nocturne, parce que sinon j'aurais vu que dalle. Et je suis irradié, c'est oh, Wunderbar. Wunderbar. Sac marin, c'est de la chiasse. De la chiasse. De la chiasse. Non, pas de la chiasse. Ça, c'est pas mal. Non plus. Ok. Eiki. On va peut-être avancer un peu dans l'histoire, ça va être pas mal. Je pense que sur les 28 vidéos, j'ai dû en faire peut-être 10 sur le jeu.
du mal de commandant des bras. Alors, j'allais dire, tu veux pas te prendre un peu de dommages, s'il te plaît? Bon, au moins, c'est bien, c'est que j'ai activé les cibles d'entraînement, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce que je pourrais utiliser qui lui fera bien bien mal? Bon, ça, tout simplement. D'accord, c'est gentil. Bon, il se rapproche de plus en plus, bon. C'est un gros truc, hein. C'était un gros truc. Au revoir la radiation. Au revoir, on a dit, non? Bon, d'accord. Ah si, c'est bon. Très bien. Bonsoir. Bonsoir, faisons des choses bien comme il faut. Oh Dieu. Right away now. Come right away. Ouais, ça c'est pas mal. Au cas où que t'arrives et que t'as rien, tu vois, t'es en mode... radiation. J'ai mal. Un troisième bras me pousse dans le cul. Encore du Red Away. Ok, bah, ils sont gentils, ils te donnent quand même des armes pour... Enfin, de la drogue. C'est pas mal. Ouais, non. Alors, les piles à fission, il me semble que t'en auras besoin, mais pas pour l'instant. Plus tard. Bon, je sais qu'elles sont là au moins. Come fly away now. Come fly with me. Alors, je suis allé à 400% sûr que il y avait possibilité de trouver un truc. Ça, c'est du caca. Qui m'aurait permis de le tuer d'une manière plus économe, dira-t-on. Plus intelligente. Mais j'avais pas envie. J'avais envie de faire piou-piou. C'est bizarre que j'ai plus de steampack. Ah oui, non, je sais pourquoi. C'est parce que ma sublime IA dans mon armure de merde, voilà, c'est dit, a du tout consommé, tout simplement. Microcellule à fusion, blablabla. Bla 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 bla. C'est marrant de voir à quel point les mecs étaient prêts. Je voulais pas de presse-papier. Pourquoi tu m'as pris le presse-papier? À quel point, en fait... Eh ben, l'armure, en soi, elle est bien, mais je pense que... ouais, c'est trop à vouloir prendre de la vie tout le temps, en fait. C'est en mode, mon dieu, il a perdu un de vie, vite, il souffre. Et non. Et non, mon cher ami. J'ai seulement perdu un cheveu. Et ben, on est parti pour de la Sunset Sarsaparilla. Sunset Sarsaparilla. Paris. Who's bad? D'ailleurs, fun fact intéressante et débile que j'ai vu dernièrement. Saviez-vous que il y a un pseudo... Enfin, il y a des gens qui ont vraiment peur du cadavre de Michael Jackson en Espagne. J'ai lu ça. En fait, il y a un truc, ils pensent que c'est un esprit vengeur, et il y a vraiment un jeu qui est sorti dessus qui s'appelle Ayuwoki. Vous savez, comme Michael Jackson qui fait Ayuwoki, des trucs comme ça. Et il y a vraiment des gens qui ont peur en fait de ça, parce qu'ils se disent que bah, Michael Jackson va revenir. Et en fait, t'as des vidéos comme ça où tu vois un gars qui s'éclate à faire des hihi comme ça dans la rue, et les gens se chient dessus. Bon, certes, c'est vrai que tu te bats dans la rue, t'entends un mec qui fait hihi. Comme ça, tu te dis, oula, qu'est-ce qui se passe? Mais bon, je trouve ça marrant. Something? Non.
Un acide. Alors. Séclusion. Oh! Le talent d'un homme! Ah! Ça ne se mesure pas. Pour tout le reste, il y a Eurocard, Mastercard. Modification des paramètres des cibles. Parfait. Parfait, parfait. Oh. Ouais, super. Une armure. Excusez-moi de vous avoir roté dessus. Mais ça m'a fait de l'effet. Oui. Tourelle de sécurité, t'as de quoi les soigner et tout. C'est cool. Ok, alors on va se péter une jambe. Même pas. On va être sublimement rattrapé. Ouais, je me refais un peu les stocks, hein, excusez-moi. Là, actuellement, on est après une petite brocante trop intensive. Bah, le jeu, il a un peu galéré en se disant, bordel, mais est-ce qu'il peut le faire? Broadcasting? Non. Indefinitely? Non. Civilization? Oh! Oh, du premier coup! Oh! Oh oui! D'arrêt d'urgence. Suivant les instructions des supérieurs, blablabla. Bla, 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 bla. Ok. Bon, ça fait de l'XP, c'est tout ce que je retiens. Très très bien. Ah, très très bien. Eh ben, Cassos, hein, écoutez. Je présume qu'il doit y avoir une porte quelque part. Ça doit être en haut, non? Ça doit être en haut. Bzz, bzz, bzz. Bzz. D'ailleurs, j'ai pas été voir là-bas. Je suis heureux. Non, j'ai pas envie. Et t'es pas mon père, bâtard. N'empêche, c'est vrai que dans toutes les parties de Skyrim, de Fallout que j'avais faites, j'ai jamais vraiment monté le crochetage. Et là, c'est vrai que c'est l'une des premières fois où je le fais. Je me rends compte que c'est franchement pas mal, quoi. Hola, soy Pedro. Il a perdu mon cerveau. Et j'aimerais bien le récupérer, s'il vous plaît. Oh, j'ai bien fait d'aller par là. Bonsoir, toi. Quelle belle petite arme. Elle ne demandait qu'à se faire pouic-pouic. Se faire pouic-pouic. Des flingues, de la drogue. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Mug. Ça me fait penser à la bière. T'as une bière mug qui existe. I want to take my beer. Vous avez trouvé un fichier de recalibrage pour l'émetteur sonique utilisé dans le jukebox du clock pour recalibrer l'émetteur sonique et obtenir de nouveaux effets. Unbelievable. Alors, petite quéquette, qu'est-ce que tu me dis de faire? Alors, recherche sur le terrain, ça c'est fait. C'est Old World Blues. Donc c'est bien ça, très bien. Ah, donc je suis au bon endroit, ça marche. Alors on va essayer de se remettre quand même des fringues qui vont me permettre de moins voir la vie en vert. Alors, j'en avais eu un deuxième. Oui, oui. SD3, l'autre c'est 4, bon. Ok. Et alors, celle-là, elle m'emmerde parce qu'elle arrête pas de parler. J'aime bien sa voix, hein, mais... Allez. Avez-vous déjà rêvé d'être invisible? Oui. Alors ça, c'est le docteur Mobius, et en fait... ramasser davantage de steam packs. Elle me gaffe déjà. J'avais pas une armure en cuir qui traînait, si. Tenue anti-radiation, tu sais quoi? Hop là. Voilà, parfait. Voilà. Alors, ça, c'est le docteur Mobius. Et en fait, vous allez voir qu'il n'est pas forcément si fou que ça, mais vous pouvez remarquer que ça, c'est l'ancien cloître de l'autre côté, en fait. Docteur Mobius, bonsoir. Mm-hmm. Oh, bonjour. Vous êtes là, n'est-ce pas? Oui. Pardonnez ma confusion, mes perceptions laissent à désirer ces temps-ci. Vous avez quelque chose de familier. J'imagine que vous êtes là pour votre cerveau. Il est là. C'est un excellent cerveau, hein. Jeune, très brillant. J'ai un peu de mal à vous voir. Pourriez-vous vous déplacer vers la gauche, la droite du champ de vision? Ah,
Voilà, votre image devient nette. J'ai terrassé votre robot géant. Vous êtes le suivant. C'est mieux comme ça? La perception du relief et des distances est un problème avec ce vieux moniteur. Il m'a lâché il y a un moment, bien avant votre naissance. Il faudrait reconnecter les nerfs optiques, mais l'œil droit ne verrait pas ce qu'il devrait. Ah, le pire, ça a été les tortues volantes. Ça vous dit un petit manta? Ça vous dit un petit peu de drogue? J'adore les mantas. Délicieux et si neurostimulant. Ça veut dire de la drogue? J'ai toutes sortes de pensées et d'idées scientarifiques quand j'introduis ces comprimés crayeux dans mon biogel. Mais je ne tarde pas à les oublier à cause des données qui constituent mon noyau mémoriel. Je crains que les flux binaires... Ok, blabla. J'ai dû me mettre à écrire des... Blablabla. Je ne m'attendais pas exactement à quelqu'un comme vous. Ah! Ceci implique des notions préconçues et une hypothèse au sujet de... Après tout, si votre Mobius hypothétique s'avère mieux que moi... Pourquoi avez-vous volé mon cerveau? Oh! Pour plusieurs raisons. Vous tenez de l'anomachie. Anomalie? Vous sortez de l'ordinaire et votre boîte... Vous voyez? Vous représentez blablabla. Si vous reveniez avec ce que votre cerveau... On pourrait le remettre en place et vous pourriez partir. Il est difficile. Quelques détails piquent ma curiosité. Allez, blablabla. Je ne peux pas réparer votre moniteur, mais si vous recevez un signal fantôme, je peux arranger ça. Les fantômes ne sont pas réels? Voilà qui change tout. Je vous en prie, faites. Le récepteur est là. Et tournez le bidule de calage latéral. Bien. Bien. Mieux. Oh. Pouvez-vous me parler de vos robots scorpions? Ma foi, chaque savant a besoin d'une... Fort effrayant. Ensuite, j'ai pensé à Brownie. J'adore les Brownies. Où est-ce le wasabi? Brownie au wasabi. Oh, ça me manque, le sucré salé. Ouais. Je trouve... Vous n'avez pas l'air agressif. Pourquoi diffuser des messages à l'encontre du fine tank? Oh, je devais être en plein trip de psycho quand j'ai envoyé ça. J'ai dû Oh, il y a tellement de drogues différentes quand je prends des mentales. Pour ce qui est du psycho... Il m'arrive de mélanger les suspenseurs de drogue de ma cuve. Ça passe par le mauvais tuyau. Attendez, c'est vous qui avez construit les scorpions et diffusé des menaces pour le fuel tank? Vraiment? Peut-être. Je ne peux pas les laisser partir pour une bonne raison. Votre cerveau et vous vous ressemblez. Hein, je suis sûr qu'il connaît mieux les raisins que moi. On dirait que vous avez oublié votre propre... Ce que vous dites ne tient pas debout votre propre, même votre nom, Mobius. Docteur Mobius. Ah, ce nom est aussi vrai que vous et moi. Mais je crois que votre cerveau a exprimé la même... Je connais quelqu'un qui a regardé trop de films de science-fiction. Je dois reconnaître que j'ai un penchant. Comme ceux du think tank, j'ai été reprogrammé pour... Blablabla. Vous avez reprogrammé leur nom pour les intégrer à la boucle répétitive pour les piéger? Oh! Piéger est un mot assez dur. Comme excrément. Pas inapproprié, mais assez dur quand même. Comme mon caca. Mais oui, j'ai pris quelques libertés vis-à-vis de leur programme. Je ne m'en souvenais pas moi-même jusqu'à ce que vous parliez de les piéger. Ensuite, j'ai dit excrément. Et ensuite... Est conçu pour empêcher les flux d'informations, donc. Pourquoi les avez-vous piégés? La clôture radar enfermant le think tank n'aurait pas suffi. Ils passent leur vie. Je pense avoir mis en place des plans neufs. Mais je me suis peut-être programmé pour les oublier. Ils sont... Alors j'ai dû trouver quelque chose pour les occuper. Ou, comme vous dites, piéger. J'aime avoir... Intelligence 7. Klein, Mobius, 0 est un cercle. 8 est le symbole de l'infini. Ce sont des boucles, j'ai compris. Oh, vous avez compris ça, sans jeu de mots.
Le docteur O, qui n'est pas son vrai nom, multiplié, puisqu'il est impossible de le multiplier. Ouroboros Klein. Ils ont tous oublié qui ils étaient. Moi aussi, le monde, l'écoulement du temps et l'histoire. J'ai reprogrammé leur chronomètre, géomètre et programme de carte. Ce fut une lobotomie charitable quand j'y repense. Et le monde n'est pas prêt à aller aussi loin. C'est mon nom. C'est un trollo du cul, ferait ça à ses amis. Ouf! Petit détail, mais le serpent qui dévore sa propre queue est un Ouroboros, pas un Ouroboros. Ça, c'est dans Resident Evil 6, mon cher ami. Non, dans le 5. Ouroboros. Vraiment? Ça me... Si vous avez lobotomisé le think tank, pourquoi les terrorisez-vous? Oh, c'est simple. Malgré leurs nombreux défauts, ils sont brillants. Ils ne sont pas le think tank. Et blablabla. Sans quelque chose pour les distraire, les effrayer, ils auraient déduite ce déduite. Qui s'était passé. Et quand ils commencent à déduire, votre venue a résolu la dernière variable. Ils ont compris que le monde dépasse... Mais il y a dû y avoir d'autres signes montant l'existence. Pourquoi il y a d'autres visiteurs? En quoi serais-je différent? D'autres visiteurs les avaient fait douter de leur perception. Mais c'est... Vous étiez la preuve. Ok. Vous voyez, votre cerveau présente un sillon d'un type spécial. Une iniquité à laquelle il n'avait jamais... Hein? Mais de quoi parlez-vous? Ma blessure au crâne, celle de l'attaque de... Le seul sillon qu'il y a dans ma boîte crânienne, c'est la marque laissée par une balle. Oh, superbe! On devrait se faire ingérer par les mentats au lieu... Il n'en a aucune idée. Vous avez débarqué au think tank. Et les balles dans la tête sont généralement nettement plus fatales. Mais cela a suffi à contraindre l'autodoc du cloaque à modifier sa programmation. Ceci fournit au think tank le savoir que c'est... S'ils obtiennent les détails de l'opération, je suis sûr qu'ils... Alors, si je n'arrive pas à remettre mon cerveau dans ma tête, je ne pourrai pas partir, jamais. Diffuser menace en boucle pour les tenir occupés, ok. Klein dit avoir eu l'idée de récupérer les trois technologies après votre émission. Coïncidence? À mes yeux, coïncidence est un gros mot comme astrologie, tisane et chance. Alors surveillez votre langage. Mes émissions ont pour but d'instiller et d'installer la peur. Cela les amenait à se concentrer sur la récupération de... Et par coïncidence, pardon pour ce gros mot, ces technologies sont requises pour replacer un cerveau, votre cerveau, dans... Et y avait-il d'autres données transmissibles pendant la diffusion de vos menaces? Quel est le but de ces technologies? L'antenne de X2 peut être utilisée pour concentrer les schémas de pensée à onde alpha. La tenue furtive, elle contient un régulateur cardiaque. Et le projecteur émetteur d'ondes soniques n'a jamais été conçu comme une arme. C'était un désensibilisateur de pulsations vertébrales. En résumé, un cerveau, un cœur et du courage. La colonne vertébrale. Je crois qu'une histoire parlait de gens cherchant... Ils les avaient toujours eus. Ça ne les a pas empêchés de tuer... Y a-t-il d'autres données transmises dans les diffusions de vos messages? Oui. Mon émission dopée outrageusement agressive était conçue pour... Blablabla. Et le programme... Blablabla. Mais je n'ai pas pu... Vous êtes assez difficile à ignorer, vous savez. Ok, mais le think tank a téléchargé les plans, pas les objets, ils peuvent les reconstruire. Ah, ça veut dire que mon plan est un échec complet. C'est regrettable. Bon, au moins j'aurais essayé. Ok. Oui. Ok, ça suffit, je suis là pour te tuer. Oh, intéressant. On ne m'a jamais tué. Eh bien, si meurtre il doit y avoir, je... Par quoi commencerons-nous? Virus amélioré? Faisceaux oncologiques? Quel mignon. Ah, ils ne se sont pas encore construits.
C'est à peu près... Ils sont capables de s'assembler à partir des panneaux et des pièces qui traînent. Mais tout beau et... Ah oui, c'est clairement mieux. Comme ça, vous pensez pouvoir tenir tête à... Aïe. Ok, bon d'accord, très bien. Je suis complètement à découvert. Je voulais sauvegarder, mais... Je savais pas que je pouvais le tuer en fait. J'ai un peu mal. Oh putain. Ok. Pourquoi j'entendais... J'ai peur. Calme-toi le jeu, calme-toi. Je sais pas ce qui t'arrive, mais j'entends des bruits dans ma tête. J'ai peur. Ça, c'est un gros flingue. Bon, bah, j'ai pas le choix. Hein. Ah, ça, c'est mon cerveau. D'accord. Ok. Il est en train de dormir. Saluté. Attends, je recharge, frère. Mais ça sert strictement à rien ce que je suis en train de faire, dis donc. Pistolet à impulsion. On va essayer ça plutôt. Ils en ont eu marre. Ah non. Alors, eux, ils peuvent me... Ouais, ce que j'allais dire, ils peuvent me canarder comme... comme Pec Citron. Mais moi, par contre, je peux pas. Qu'est-ce qui se passe? Hosticalis, qu'est-ce qui se passe? Oh, pardon. Excusez-moi. Ouais. Alors. Bah écoutez. Je vais sauvegarder ici. Je vais refaire tout le blabla. Et. Voir s'il n'y a pas une autre solution. Parce qu'il me semble qu'on peut ne pas le tuer. Donc je vous dis tout plein de bisous. Portez-vous bien. Merci beaucoup de regarder mes vidéos. Parce que ça me fait plaisir. Et ça vous fait plaisir. Je vous retrouve pour une prochaine. Et tout plein de bisous. Au revoir. Au revoir.